こんちゅー、弾丸論破のクリエイターの、小高勝隆です。今日ジャパンエキスポ、初日です。このようにいろんなイベントが行われてますけど、すごいたくさんの人たちが会場に来てくれてます。皆さんどんなものを楽しみに来てるのか、チェックしていきたいと思います。J'aime beaucoup les salons de ce genre et la Japan Expo, c'est vraiment un truc à ne pas rater. Il y a, que ça soit pour ceux qui aiment les mangas et ceux qui n'y connaissent rien, pour apprendre, enfin, il y a vraiment plein de choses, plein de nouveautés et c'est super, c'est vraiment super. Il y a un petit peu tout ce que je rêve ici, enfin, franchement, il y a tous les univers que j'aime. C'est... On a visité un peu partout, on a aussi acheté des mangas, des trucs comme ça. Je commence à avoir de moins en moins de mangas à regarder, je voulais voir les nouveautés et puis tout simplement aussi acheter des figurines et des choses, des mangas que j'adore. Là, les mangas, franchement, ça fait un moment que j'en ai pas vu et je voulais m'y remettre. Et j'ai ramené la petite avec moi, elle était contente et c'est super. J'aime bien aussi tous les goodies qu'on a pu gagner. Les gens, ils sont vraiment gentils. Les invités géniaux, j'ai rencontré notamment Ali Shetai, qui est la doubleuse de la princesse Zelda dans le dernier Zelda Breath of the Wild. En parlant de Zelda d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas mal de tournois sur le stand Nintendo, ce qui est très sympa aussi. J'ai pu jouer, enfin c'était cool, ils font beaucoup tourner, donc on n'a pas à attendre trop longtemps, donc c'est vraiment cool. En fait on jouait à un jeu vidéo et on était venus justement pour voir nos amis du jeu, et puis aussi pour se cosplay parce qu'on aime bien ça. Donc. Bah c'est un peu comme si on était tous une grande famille en fait. Très bien organisé. Oui, je suis très chaud. Déjà c'est ma troisième année que je viens et toujours pas déçu, toujours plus de nouveautés, je découvre de plus en plus de choses, j'adore. ジャパンエキスポといえば、コスプレです、今日もコスプレイヤーがいっぱいいると思うんですけど、どんなコスプレイヤーがいるか、一緒に見ていきたいと思います。今年は、アニメ誕生から100年ということになってます。弾丸論破もアニメでやってるんでぜひ見てくださいね。でアニメ100年を記念して、アニソンのコンサートがいろいろ行われたりしてるみたいです。どんなコンサートが行われてるのか、見てみましょう。ジャパンエキスポは、遊びだけじゃなくて、いろいろ真面目な勉強にもなるような、ことを取り上げたりしています。アニメ誕生から70年代までのアニメを振り返る、イベントなんかも行われているので、見てみましょう。人気ゲームタレントマルクスさんも、ジャパンエキスポに参加しているらしいです。マルクスさんは弾丸論破をプレイしているんでしょうか。マルクスさん、弾丸論破をプレイしてくださいというわけで、彼はこのジャパンエキスポの格闘ゲーム大会で勝ったのでしょうか、チェックしてみましょう。アレー、オンボート、ユメトゥンクワー、マルクス、ガニ、オンボート、マルクス、ペン、オンバー、オーケー、ドゥシェムマッチ。はい、それではお別れの時間になってしまいました。今日は楽しんでいただけましたでしょうか。ジャパンエキスポは明日もやっております。弾丸論破のパネルや、僕のサイン会なんかもやってるので、ぜひそれに来てください。それでは明日またジャパンエキスポで会いましょう。さよなら。